Y'a rien dans ça. On est juste. Regardez-moi ça, bordel de merde. Ah oui, d'accord. Alors je crois les gens que depuis ce qu'on essaie de faire depuis tout à l'heure, c'est prévu dans la mission et on va devoir le faire maintenant. Et là honnêtement, on appelle ça un regard un petit peu ZF. Parce que là, c'est clairement un moment de déception dans ta vie. Faut que je n'arrive plus à monter. Oh putain. Non mais... Pourquoi tous les bitzémols auxquels je joue, ils essaient de mettre des fausses plateformes qui sont dégueulasses? Réellement hein, les gens. C'est pas pour flamme, mais des fois les phases de plateforme sur ces jeux, putain. Voilà. D'autres personnes, non? Ok, bon, en mode... On est là, il y a du monde en bas, quoi. Putain. J'ai pas envie de descendre, les potes. Même pour choper la main. Ah bah ok, bon, je vais être obligé. L'air. Mais des fois, on n'a pas le choix. Vous vous rendez compte, honnêtement, c'est très très chiant de récupérer ces bonus. Pas. Non, parce que souvent on se rend pas compte là quand même, mais. Très 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 chiant. Et surtout quand on rate. Allez! Ils sont où? Allez! Ah donc là on a bien fait une esquive démoniaque. Oui ce qui est assez sympa. Sous la queue tronçonneuse. Ouh. On a infligé la douleur les potes. Ouais, j'essaie de faire un finisher comme ça, hein, parce que c'est joli. Alors c'est prêt. Est-ce qu'on va chercher ça là-bas, parce que sur niveau on se fait chier quand même, on va chercher ça. Allez. Utilise tes quatre pieds gauche s'il te plaît. Il est tout simplement impossible à manier, c'est pour ça. Des fois, j'ai l'impression de manier une savonnette, les gens, vous n'en avez pas compte. Les salauds! Putain, les gens, c'est vraiment que je veux les bonus. Arrête de me le. Non, ça, je sais pas pourquoi des fois ça me bloque l'arme démoniaque. Enfin l'arme angélique et quand je me double sauter. Là vous voyez là par exemple il y a le bloqué. Oh non, faut refaire un passage.
Alors je sais que c'est pas fou les gens, mais bon. Des fois je me fais pas chier pour les avoir, mais non. Ok d'accord, je vais pas te faire enculer. Dernier essai. Puis en même temps ça m'apprend un petit peu à utiliser le perso. Ah, il se casse. Là, il va devenir la ville Van Bait. C'est trop facile hein, ce qui se passe là. Oh oh. What? 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 C'est quoi ce bordel? Une église, les gens. Ah, c'est trop bien. Non, non, on est safe dans une église. C'est pas toi que je veux. Ah, voilà. Ok, on va le chercher à la main. Quand tu commences à maîtriser un petit peu le perso, c'est assez sympa. Attends, mais il y en a deux. Je fais. Oh, je l'ai esquivé. Ah, oh, ça m'a compté comme si j'étais gelé. J'ai esquivé à la dernière milliseconde, j'ai esquivé au dernier frame. Du coup, ça a mis l'animation du mec qui est gelé, mais en fait, je ne suis pas gelé. Mais, t'es sérieux? J'ai un Loxan. Souria! Ça, ça me fait vraiment mal. Ok, donc je pense que c'est un chemin là, on peut le leur mettre en infini si on arrive bien à un moment. Ce qui me fait peur, c'est que ça, c'est pas le boss de femme. En fait c'est un prélude au boss, c'est à dire qu'il y a ça, il y a tous les ennemis qu'on a découvert dans le niveau, puis après il y aura vraiment le boss, qui sera un ennemi à part, qui malheureusement peut bien nous défoncer. Ah mais mec, c'est Warwick. Machin de chase sur 36 000 mètres. Yann, t'es là? Tu m'entends? Fuck. Qui t'a invité, gros cul? Donc la partie arrière du machin vibre. Voilà. Donc là il est pas tuable. Ok donc de face on peut pas l'attaquer. Ah putain. Il faut attendre qu'il nous loupe. Oh gros bâtard. Oh non. Ok donc là je check ma life et c'est pas bon les gens. Je prends encore un coup, je suis mort. What? C'est mon mur.
Il est foncé dans le mur. Ah, tu meurs, mon ami. Mais non, c'est parce que c'est 4 shift. Oh non, mes touches. J'adore le level design quand même. Même si le jeu m'en fait un peu voir toutes les couleurs. Belle église. J'ai cru que ça finirait jamais. L'église. La police a communiqué des images du terroriste responsable du récent attentat qui a touché l'église Saint-Agarès. Il se ferait appeler Dante. Souvenez-vous bien de ce visage. Si vous le voyez, informez immédiatement les autorités, mais ne l'approchez pas. Connu pour son tempérament violent, il a aussi commis de nombreux crimes sexuels. Ici Bob Barbas, au service du Seigneur. Oh putain, le mec, tu vois tellement qu'il est payé, qu'il est vendu. J'adore se battre contre ça aussi. Bon. Ok, mission terminée. Un score de merde. Ouais, mon point de style, ok, j'ai fait bien de la merde quand même. Ah, j'en ai 5 sur 8, c'est relativement sympa. Je suis en B, bon. Bon, écoutez. C'est pas trop mal. Bah écoutez, mission suivante. Ok, let's go les potes, c'est reparti. Un démon sous l'usine, très ancien, la succube. On pense que c'est elle, la source de l'ingrédient psychotrope qu'ils utilisent pour nous contrôler. Bienvenue dans l'usine de Virility. C'est l'ingrédient secret de Virility qui en fait la boisson préférée du monde entier. De plus, les tests scientifiques ont prouvé qu'une consommation quotidienne améliore de 91% la perte de poids. T'entends ça? Comment les gens peuvent gober ces conneries? Si on te répète quelque chose assez longtemps, tu finis par le croire. On me disait que j'étais folle de voir des démons. Ouais. Moi aussi, on m'a fait passer pour un cinglé. Ils voulaient me mettre sous traitement. Soi-disant pour me guérir. Mais tu vois. C'était pour que je reste faible. Et docile. Comment tu t'en es sortie? J'aime beaucoup elle. Et toi? Quand les gens qui on est censé avoir confiance se révèlent être d'atroces démons, le masque tombe et le mal apparaît partout. Je n'ai pas plié. J'ai riposté, tué, quelles que soient les conséquences. J'ai choisi ma route et tracé tout droit. Le temps de colère, de violence et de mort, il faut scruter son âme, sonder son cœur. Savoir s'il est lucide, pour savoir s'il est encore humain. Je savais au fond de moi que j'étais pas cinglé. Mais c'est clair que si demain un mec me dit dans la rue qu'il voit un démon, bon, je lui dis quand même que c'est pas normal. Voici l'endroit où sont mélangés les ingrédients magiques qui donneront le goût inimitable de Virility. La succube est dissimulée au cœur de l'usine, mais malheureusement, il n'y a aucun moyen de l'atteindre depuis notre monde. Il faudra passer par les limbes. Il y a une faille à l'intérieur.
croyez bien que tout a été contrôlé et approuvé par les scientifiques les plus compétents et les plus intègres. Les plus intègres. C'est un vrai trésor national. Déjà rien que le nom de la boisson, quoi, Virility. Offle. Par ici, je crois. T'as dit que t'es déjà venu ici? Ouais, mais c'était pendant un voyage astral, il y a des années de ça. Tu volais sous forme d'esprit? Ouais, dans les limbes. D'après Virgile, c'est un formidable outil d'espionnage, mais je peux pas le faire à volonté. Alors, comment tout y était pris? C'était déclenché par des psychotraumatismes extrêmes. Des cauchemars. C'est quoi ça? Ces cauchemars? C'est du passé maintenant. Putain, elle est glauque cette usine. Ouais, ok, donc là c'est le monde réel, donc on déconne plus vraiment avec des épées, des machins. On se calme un petit peu, quoi. C'est beau. C'est ici qu'ils stockent la marchandise avant de l'exporter. C'est bizarre. Quoi? Je pensais que ce serait plus grand. Ça m'étonne. Enfin, j'étais dans les limbes, c'est peut-être différent. Et puis j'étais une gamine. Qu'est-ce que tu faisais? Je fuyais mes cauchemars. T'es venu dans les limbes pour fuir tes cauchemars? Ouais. Oh putain, j'imagine un peu le type de cauchemar, quoi. Lol. Est-ce que les limbes... Une fois dans les limbes, tu n'auras qu'à revenir sur tes pas pour arriver à la salle des mélanges. Ça devrait pas être trop dur. Hein. Peut-être. Mais les démons pourraient sentir ta présence dans les limbes, alors sois prudent. Et une fois dans la salle des mélanges? De là, tu pourras descendre au niveau inférieur de l'usine. Et faire une succube. On va se faire gang-bang, les gens. Je le sens pas, cette histoire. Ok. C'est là. Je le sens pas, cette histoire. Parfait, on se retrouve de l'autre côté. Obésité, stupidité, buvez Virility.